see now like a phoenix rising from the rubble of the war. Hope of ages manifested, peace and freedom evermore. Sure, if you can talk to Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Kinsaki. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux d'avoir avec nous l'un des grands ambassadeurs de la communauté haïtienne en Angleterre, M. Alex Daniel, pour son émission Relations internationales à la radio Télé-Solidarité. Monsieur Daniel passe vraiment de présentation maintenant à cette station. Il attend de lui faire une maîtrise en Angleterre. Et c'est pour vous dire que nos jeunes ne dorment pas. Ils sont un peu partout. Et ils sont un peu partout dans la planète pour des études. Et on va vous dire qu'avec des gens comme M. Daniel, Haïti renaîtra de ses cendres. Et bon, il est vraiment un homme extraordinaire qui a un grand amour pour son pays et il est un grand passionné de l'éducation. Aujourd'hui, il va nous parler un peu de la communauté européenne. C'est-à-dire l'origine de cette communauté, les défis, les problèmes et sa relation avec Haïti. Je veux que je dise à Maxime que dans l'émission Relations internationales que nous gagnons, que nous connaissons que nous avons un monde qui continue l'émission, ça, c'est M. Alain Daniel qui a étudié Relations internationales en Angleterre. Donc, on va voir qui j'ai fort que Radio Télévision a fait. Réellement, pour aider nous gagner la crème de la crème, parce que M. Daniel est vraiment une grande lumière de la communauté haïtienne en diaspora. Ouais, que bon, après ses études au Brésil, maintenant il est en Angleterre pour d'autres études, bon, pour sa maîtrise en relations internationales. Il veut que depuis Angleterre, que nous dit M. Daniel, bonjour sur les antennes de la radio Télé-Solidarité. Bonjour, Frère Guiton, bonjour tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Radio Télé-Solidarité. C'est avec mon plaisir de commencer avec nous aujourd'hui, une autre fois encore, pour nous discuter sur des sujets internationaux, sur des sujets d'actualité. Comme on bien dit, nous allons parler aujourd'hui sur l'Union européenne, son histoire, problèmes, défis et relations avec Haïti. Bon, messieurs, qui m'ont appris ces sujets et puis laissez commentaires. On continue. Bon, que nous allons commencer tout de suite. Est-ce que vous parlez un peu de l'Union européenne là, originée tout d'abord, qui, parce que l'Union européenne n'est pas qu'on est tombé du ciel. Vous avez le travail qui est fait. Avant que nous arrivions là et que nous comptons que nous avons aujourd'hui pour éclairer la terre et nos téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé-Solidarité. Et on s'y a vraiment qu'à faire actualité, je l'ai joué à tout. C'est pas avec affaire. En détail qui voulait créer Casera, ou bien retirer quoi dans l'Union européenne? Oui. Bon, l'Union européenne, j'en ai bien dit, c'est ça même. Et l'Union européenne, c'est une plus grande organisation internationale ou organisation supranationale qui jamais existé dans le monde. Côté ensemble des pays, ensemble d'États, et c'est des handicaps dans la souveraineté, il n'y a pas une organisation pour répondre aux besoins, pour répondre aux nécessités. Bon, l'Union européenne, c'est la meilleure définition qu'a dit l'Union européenne, c'est une alliance politico-économique entre plusieurs pays de
européen. Donc, l'Union européenne, là, il faut mieux des 28 pays. Nous avons la Croatie qui est rentrée tout dernièrement, là, qui est en 2014, qui fait 28e pays. Hein. Et puis, nous avons quelques pays qui ont un statut qui peut des candidatures pour rentrer dans l'Union européenne. Nous avons, par exemple, nous avons la Croatie, nous avons la Turquie, nous avons la Macédoine, nous avons l'Albanie, nous avons les pays qui ont un statut de candidat pour rentrer dans l'Union européenne. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans l'Union européenne. Donc, l'Union européenne, elle est formée de plusieurs institutions, de plusieurs institutions dans l'Union européenne, qui ont un parlement européen, un conseil de l'Union européenne, une commission européenne, un conseil européen, une banque centrale européenne, un tribunal de justice, de l'Union européenne, un tribunal et tout de compte européen. Bon, l'Union européenne, c'est la géographiquement de l'Union européenne et de l'ouest vers l'est, du Portugal, Espagne vers la Finlande. Et puis, on va prendre de sud vers le nord, on va prendre de la Grèce vers le Royaume-Uni. Bon, l'Union européenne, et Jean Nicolas, l'Union européenne, elle est dirigée par un président, actuel président, qui c'est Jean-Claude Juncker, qui c'est un Luxembourgeois, et il était ministre en Luxembourg. On y a l'abdirigé l'Union européenne dans un mandat de 5 ans. Bon, les 5 points pays rentrer dans l'Union européenne, là, il suffit qu'ils respectent 4 critères qui s'arrivent. Premièrement, il y a de citer sur le continent européen. Deuxièmement, il suppose un pays démocratique. Troisièmement, il suppose respecter le droit de l'homme. Et puis, quatrièmement, l'économie du pays a supposé. Supposé basé sur libre-échange et puis libre circulation, et puis ça veut dire le libéralisme. Bon, on nous parlait de l'origine de l'Union européenne, à côté de sa grande idée, ça se dit, une organisation qui prend le prix Nobel 2012, et qui prend le prix Nobel 2012 pour mission la paix, pour promouvoir la paix, et puis circulation, respecter le droit de l'homme. Côté de l'idée grandiose, ça se dit. Bon, en pile écrivain, en pile hôtel, a parlé de l'Union européenne, fait référence à Robert Schuman. Robert Schuman, qui est un Luxembourgeois, et une nationalité ensemble avec l'actuel président de l'Union européenne, hein, qui est un Luxembourgeois en 1950, qui a parlé des côtés pour tout pays là, sur le continent européen, mettez chapeau ensemble avec Sien ou ensemble, qui a formé une alliance entre eux, qui a formé une puissance économique entre eux. Mais si nous allons en avant, Robert Schuman, nous allons juste en 18e siècle, côté Europe a souffert, en Europe, chaque petit moment de guerre, chaque 3 ans, chaque 2 ans, a demandé qu'il a éclaté en Europe. Et puis, le grand abbé de Saint-Pierre, Messie en 1713, c'est sorti, on va tirer des projets pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Paix perpétuelle, synonyme de durable. Une carrière, une paix durable en Europe. Et Messie a écrit ça parce que l'Europe a souffert en pile guerre et momentanément. Et puis, le côté de expliquer tout ça pour faire pour les pays européens mettre ensemble pour former une union pour défendre l'autre continent. Bon, après ça, en sortant de la Saint-Simon et de la 19e siècle encore, et après, en 1849, le grand Victor Hugo était venu ensemble avec l'idée et les États-Unis de l'Europe. Et puis encore, en 1946, le grand Winston Churchill. Et dans l'université Zurich en Suisse. Et côté ministre a parlé, même ça, Victor Hugo a parlé en 1949, hein, et les États-Unis de l'Europe. Mais même que nous avons parlé, nous jouons avec des Saint-Pierre, c'est Simon et Victor Hugo, nous jouons tout et Winston Churchill, qui est au Royaume-Uni. Et nous n'avons pas joué. Un résultat concret, ou pas de poser une action. Mais l'action a été posée par Robert Schuman. C'est pour ça que Robert Schuman est considéré comme un père fondateur
l'Union européenne, c'est là qu'il y a soutien. Côté au Béchou, on a parlé, peut-être pour tout le monde, on a pu mettre des charbons, ça va merci, ensemble. Il a formé, ça a été formé deux ans plus tard, en 1952, le CECA, qui c'est la communauté européenne du charbon et d'acier. Et CECA, ça, qui c'est, nous avons des CECA, qui c'est l'embryon de l'Union européenne, c'est là tout pareil a commencé. Et puis, bon, pays qui est présenté dans ces cas, c'est pays Benelux. Là, on parle des pays Benelux, on voit la Belgique, la Hollande, Luxembourg, et après, on voit l'Italie, la France et l'Allemagne. Six pays, ça, on mettait ensemble, les charbons, ainsi, ensemble, puis qu'à former, ça, on voit une alliance, une communauté entre eux, et puis, puis qu'à former, une puissance entre eux. Après, en 1957, pour six pays, ça, on a une idée à Pibel, et nous discutons sur des termes, de politique et puis libre-échange, libre circulation entre les pays et les nations de la douanière. Et nous venons former avec tout les avec tout les nous venons entreprendre à nous les traités de Rome. Les traités de Rome qui viennent former et qui viennent former le CEE et le CEEA. CEE qui c'est Communauté économique européenne et après qui viennent former le CEEA qui c'est Communauté européenne de l'énergie atomique. Et ça, et des communautés, et ça, et des institutions, ça, et des organisations, ça, mais bon aspect police, économique et défense. Et puis, en 1965, trois organisations, ça, viennent faire fusion entre eux, pour qu'elles formaient un conseil unique, pour qu'elles formaient un conseil unique entre eux, entre ces pays, ça, et puis nous venons. Nous avons joué une rentrée de l'autre pays qui vient former en 1992, qui vient former des 12 pays, qui est avec traité de Maastricht en Hollande, qui vient faire et l'Union européenne. L'Union européenne, Friedrich von Schiller en 1785. Nous tous nous contentons de chants à la 9e symphonie de Beethoven. Et belle musique, tout nous contentons de mémoire. Nous n'avons pas prêté attention que ça, c'est une pour l'Union européenne. Bon, et après ça, en 1992, avec le traité de Maastricht, l'Union européenne a été formée qui a un caractère politique. Et si nous comprenons bien, l'Union européenne a été formée en 1992. Oui, en février 1992. C'est combien de pays qui l'a donné, Il y a 28 pays, avec quelques pays qui ont 28 pays qui membres dans l'Union européenne. Non? Et puis, il y a plusieurs autres pays qui ont un caractère et qui ont le statut de candidat. Par exemple, Kato, l'Albanie, Macédoine, pays qui étaient en ancienne Yougoslavie, et Macédoine, Monténégro, la Serbie, et même la Turquie, et qui a un statut de candidat qui est rentré dans l'Union européenne. Et puis, à partir de 1992, 12 pays rentrés jusqu'à ce jour-là, et le dernier pays qui a acquis en 2014, qui c'est la Turquie, qui fait 28e pays. Et puis, Goubarek qui vient d'éclater en 2016, pardon, c'est sorti du Royaume-Uni de l'Union Européenne, Royaume-Uni qui était entré en 1972, qui était venu en 1965 sous l'office de CEEA, mais par contre de Charles de Gaulle qui était toujours en cours, comment ça m'appelle. Et anglais, il va le quitter et il va le entrer dans une coalition ou bien dans une alliance, ça m'appelle Royaume-Uni. Mais quelle raison que Royaume-Uni évoqué ou bien bail pour quitter l'Union européenne là? Ah, ok. Oui, bon, quelle raison on a pas arrivé là? Est-ce que nous avons dit que Royaume-Uni c'est le premier pays qui sort dans l'Union européenne là? Non. Longtemps, ça a été le groupe Groenland, qui était en 1985, qui était là où on est la Hollande, c'était un membre fondateur de l'Union Européenne,
Non, là, on a le fondateur de l'Union européenne. Mais le bien d'Allemagne qui est entré depuis la fusion toute les communautés. Groenland, qui c'est un pays, comme nous disons en Haïti, pays français, ou par exemple Guadeloupe, c'est un pays outre-mer de la France, ça veut dire son pays qui, mais ensemble avec la France, qui est entré dans l'Union européenne. De même, j'avais Groenland qui fait partie, était un pays outre-mer de la Danemark. Et Danemark, et puis Groenland vient de séparer de Danemark qui voulait l'indépendance, et puis les décider sortir dans l'Union européenne. Ça, c'est le premier sortie. Bon, deuxième sortie, ça veut dire ça, c'est la partie du Groenland dans l'Union européenne. Mais, Wyoming, pour qui ça, Wyoming a sorti, ça, c'est un autre facteur. Côté, depuis en 2014, nous avons suivi une crise, une crise migratoire, côté un pays, en côté pays, Afghanistan, Pakistan, la Syrie, un pays qui a souffert de ces guerres civiles. Et puis, habitants ont décidé d'immigrer dans l'Union européenne. Nous avons Angela Merkel, qui est président en Allemagne, qui décide pour ne pas payer les immigrants à rentrer, c'est des millions d'immigrants à rentrer en Europe. L'autre jour, ils ont enregistré plus de 3000 immigrants en Italie, dans un seul jour, avec des situations critiques. Et l'Angleterre qui fait pour un futur et impact, ça a causé dans l'économie, ils ont décidé le 23 juin 2016, ils ont décidé de signer un référendum. Ça qui est un référendum, on fait, de ne pas être un référendum, on fait référence à une démocratie participative. Démocratie participative, on invite le peuple à en Angleterre, on invite le peuple à qui vont les appeler, on invite le peuple à qui a voté, on invite le peuple à qui a voté un référendum pour qu'on possible sortir de l'Union et Royaume-Uni dans l'Union européenne, le 23 juin, qui c'est un résultat qui peut sortir 51,9%. Et nous qui étions d'accord que le Royaume-Uni peut sortir dans l'Union européenne. Le principal problème, là, c'est immigrants qui ont entré au Royaume-Uni illégalement, par bateau ou bien parce que nous connaissons l'espace Schengen, ou bien un statut européen. Donc, dans quel pays sous continent européen, par exemple, au Royaume-Uni, on va entrer en Angleterre, qui peut doubler. Et bon, Angleterre fait plus tout, ça c'est le problème principal là, c'est l'immigration, pays de Syrie, la Syrie, pays qui a souffert, c'est le principal problème là. Mais par contre, le problème ça a existé depuis avant, pays fait dans l'Union européenne. Si on prend par exemple la Roumanie, en plus le monde a qui est la Roumanie a souffert une bonne crise économique. Et puis, en plus, on a décidé d'immigrer comme un constat européen. On a décidé d'immigrer en Angleterre. Et puis, on a été à Londres, et on est à Londres. Mais ça aussi, tout ça aussi, problème, c'est tout ça aussi, une course qui fait Angleterre absorber dans l'Union européenne. Brexit, je dis. Brexit, on a sorti dans l'Union européenne. Bon, monsieur Daniel, est-ce que. Si Angleterre a réellement bien avec des lois bon, sur l'immigration, la Kali, que bon, pour dire que bon, pas recevoir le monde, est-ce que l'immigration a été, que le réseau pour le nascent, qu'il n'est pas obligé de quitter l'Union européenne, ou bien que depuis que l'Union européenne est obligée d'accepter qu'il y a le monde qui vient dans la Kali? Oui, ça c'est loi qui signe dans l'Union européenne, ça c'est pas qui signe dans l'Union européenne. Depuis mon constatif européen, je suppose que qui casse qui les qui pour côté dans l'Union européenne. C'est ça que les missions de l'Union européenne, la libre circulation de citoyens européens. Habituellement, ça, un citoyen français qui a entré en Angleterre, il travaille normalement. Les mêmes gens ensemble avec un citoyen et anglais qui est entré en France, là, il travaille normalement comme même si on avait un citoyen français avait dit ça. Là, on ne va pas parler de nationalité, on va parler plus des régions, les citoyens européens. Soit quand on est à l'université, on demande est-ce que c'est un citoyen européen ou bien son citoyen ou bien son international. Ça veut dire, soit étudiant international ou pays, on a oublié. Et on citoyen européen.
je considère un citoyen européen, par exemple, français, même si on se va avec un européen, même prix. Et puis, international, c'est nous qui sommes dans notre continent, qui payons un prix exorbitant. Et que, mais qui conséquence vous pensez ça va gagner avec le retrait du Royaume Uni dans la communauté européenne? Bon, qui conséquence ça va gagner? Depuis qu'on a nous décidé des conséquences minimes, que c'est élévation de prix pour un logement, prix pour un montant de 1%. Et de 1%, ils ont enregistré avant-hier que. Et 1% et la nourriture levée à 1%, le prix de nourriture levée à 1% en Angleterre. Quelle conséquence ça a posé? Premièrement, nous avec Brexit là, ce que vous comprenez Brexit qui c'est Britain, etc. Ça veut dire Britain, Britannique et Grande-Bretagne. Britannique qui commence par BR et puis etc. qui veut dire sortir Brexit. Et bon, avec Brexit, là, on a formé des quatre pays, c'est l'Angleterre et Scotland, Wales, ensemble avec l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Sud, qui c'est capitale Dublin, qui est un pays indépendant, n'est pas fait partie de la Grande-Bretagne. Et Scotland, qui c'est un grand producteur de whisky, pour l'Europe. Avec un possible sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ça va passer. Et de ces taxes élevées pour poser sur whisky, Scotland, avec ça, il y a une réduction dans whisky Scotland. Et c'est à ce que Scotland décide de faire, tout en entrer dans le commerce, dans le trade, dans le trade. Et l'Union européenne a décidé de voter un référendum dans le pays, en Scotland, tout, en démocratie participative, pour qu'il sorti dans le Royaume-Uni et puis qu'il soit rentré dans l'Union européenne. Avec les Royaume-Unis qui sont sortis dans l'Union européenne, ils ont décidé de sortir dans le Royaume-Uni, qu'il soit rentré dans l'Union européenne. Ça, c'est une conséquence qui est le Royaume-Uni qui a perdu, il y a un pays. Et puis, qui conséquence encore, nous avons Gibraltar qui est un petit territoire de l'Angleterre qui a été détenu depuis le 18e siècle. Et bon, on y a Espagne, l'Union européenne, Espagne décide de si, n'a pas géographiquement, si Royaume-Uni a sorti dans l'Union européenne, et automatiquement, Royaume-Uni sorti dans l'Union européenne, Gibraltar qui est un petit territoire qui est en Angleterre qui est tout près de l'Espagne. Il y a tous et Gibraltar a tout appartient à l'Espagne et à l'Angleterre. Est-ce que Angleterre pourrait accepter ça? Angleterre depuis l'Est, c'est pas l'empire bon. Des menaces et comment c'est fait entre ensemble avec l'Espagne. Oui, mais par contre, pas tellement de très grandes possibilités d'une attaque entre eux. Mais c'est des attaques verbales et entre eux pour Gibraltar. Mais est-ce qu'on attend vraiment vrai que l'Espagne prend Gibraltar? C'est des pays qui se posent pour dans l'Union européenne, mais par conséquent, il est très difficile pour Gibraltar appartient à l'Espagne. À l'Espagne, avec du conseil, c'est un nombre de votes dans l'Union européenne qui va permettre que Gibraltar appartient Et si je comprends bien que si ça t'a débouché sur une guerre, c'est une guerre, c'est pas seulement une guerre avec l'espace, c'est une guerre avec l'Union européenne. Oui, c'est une guerre ensemble avec l'Union européenne. Et en guerre avec l'Union européenne. Oui, c'est ça même. Mais qui là au passé que retrait ça, vraiment, l'officiel a fini? On va mettre ça pour l'Angleterre quitter l'Union européenne.
Parce que moi, je ne vais pas du jour au lendemain, je n'ai pas de papier pour signer. C'est ça. Donc, si on base sur Groenland, qui est sorti, qui est détaché, qui est détaché, qui est Danemark, et si on base sur Groenland, Groenland était fait référendum, était décidé de sortir de l'Union européenne en 1982, en 1982, après en 3 ans, il a été réussi, sorti vraiment dans l'Union européenne. Il a été lancé. Sorti en 1982 ou 3 ans, de sortir. Donc tout n'a parlé, tout n'a parlé de en 3 ans en 2020 pour sortir dans l'Union européenne, pour Royaume-Uni sortir dans l'Union européenne. Mais Theresa May, qui s'est prêté Premier ministre, qui s'est Premier ministre en Angleterre, on y a là, il a décidé comme dans le Parlement européen, toujours à bien se comprendre, on connaît et sorti de l'Union européenne, et par un grand voyage, un grand écart entre eux, c'est 51,9%, ça m'a fait 48,1%. Par contre, c'est un grand écart entre eux, a toujours des disputes entre parlementaires, ensemble avec Theresa May, qui s'acquittent pour s'acquittent contre eux, et sorti, une possible sortie de l'Union européenne. Donc, pour ça, Theresa May mettait. Donc, une élection le 8 juin, comme là, 8 juin 2017, pour nous décider à voter du Caponais, est-ce qu'ils ont décidé vraiment de sortir dans l'Union européenne? Sans leur vote, est-ce qu'ils ont décidé vraiment de sortir dans l'Union européenne? Pour qu'on peut tout parler en public, qu'on peut tarder, sortir dans l'Union européenne. Avec votre ça, un possible pourcentage élevé, 50 majorité. Parce qu'on majorité absolue, après votre ça, l'Union européenne a passé à une vitesse supérieure, puis qu'à sortir de l'Union européenne, plus rapide parce que la population a voté, on a fait un vote, ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Avec ça, les Caponais ont deux ans au maximum pour sortir si le résultat d'élection est bien qui a sorti positif. Bon, dans la présentation, là, on parle de tout, ou bien dans l'émission, on parle de tout. Un président de l'Union européenne, ou parlez tout de parlementaire européen. Est-ce que réellement on va faire un bref portrait de un parlementaire européen pour nous, c'est-à-dire qui doit que gagner et qui ça que l'Union va faire que dans l'Union européenne NATO pour faire surtout avant ces causes Union européenne. Bon. Non, le Parlement européen, tout pays qui a le droit de présenter projet de loi, projet de. Et, par exemple, le traité de Schengen. Donc, par exemple, le traité de Schengen, pour offrir par un pays européen, par exemple, la France, qui offre le traité de Schengen, côté tout le monde qui est à l'aise. Par exemple, l'ambassadeur du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et qui est supposé voter traiter ça, qui posait un vote absolu de 51 plus 1, qui s'est supposé un vote absolu. Et puis après votre ça, plus qu'à appliquer et traiter, par exemple, traité de Schengen, qui est un traité qu'on parle au côté, et qui importe mon cas, c'est dans quel territoire, qui allait dans votre. Dans notre territoire. Mais par contre, le Royaume-Uni, qui a fait un peu de temps, il n'y a pas de temps pour le traité de Schengen, il n'y a pas d'accord, qui n'a pas appliqué le traité de Schengen. C'est pour ça que nous, on n'a pas les traités en Europe, soit pas en Angleterre, ou pas jouer dans le visa Schengen, soit pas dans le visa Paris en Angleterre. D'abord, il y a un visa de. Un UK visa, ou pas jouer dans le visa Schengen. Visa Schengen, ou pas en France. Ça m'a fait, par contre, quand ça m'a fait dans notre pays, dans l'Europe, mais c'est pour ça qu'en Angleterre, c'est un UK visa, pas visa Schengen. Et c'est pour ça que votre fonctionne dans le Parlement. Et est-ce que vous avez dit nous qui genre que l'Union européenne a arrivé élu parlementaire ça? Sur qui ça a basé que pour un parlementaire européen? Critères. Pour le Parlement européen, c'est même gens qui ont choisi. Chaque pays choisit
chaque pays choisit parlementaire. Et puis, entre parlementaire au Canada, entre parlementaire qui est un vote pour. Et entre chaque pays choisit parlementaire par parlementaire. Et bien, il choisit parlementaire qui peut présenter un parlementaire européen. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un pays où même élections à faire. Oui, entre parlementaire, ça a une élection pour un président, président de. Ça veut dire que tous les 28 pays qui sont dans l'Union européenne, ils ont tous bien parlementaire, ils ont représenté dans le parlementaire. C'est ça, tout bien parlementaire. Bon, et le président de l'Union européenne, là, qui a choisi lui-même? Qui a élu? Parlementaire, ça a eu un vote entre eux, et puis, le président choisi, par exemple, l'exemple bourgeois et. Jean-Claude Jean choisi comme ça entre parlementaires. C'est-à-dire que ce sont les élections qui font entre les parlementaires européens qui choisissent le président. Président, oui. Bon, ça que c'est très important pour nous reconnaître. Parce que lorsqu'il y a un président européen, de l'Union européenne. Qui a un mandat de 5 ans. Bon, est-ce que vous avez une idée et que dans l'Union européenne, là, que, à combien de nombre d'habitants élevés, je ne vous dis pas. Et il a vu que qui plus gros problème et défi et que population qui et que pays tout pays ça qui n'a l'Union européenne n'a qui ça aucun comme problème et défi. Bon, l'Union européenne c'est l'Union européenne est étendue sur son territoire de près de 4,5 millions de kilomètres carrés. Il y a plus que 500 millions d'habitants. Bon, avec un coup si sorti dans le Royaume-Uni dans l'Union européenne, qui est un grand monstre dans l'Union européenne. L'Union européenne a presque perdu un huitième de population qui est presque dans 65 millions d'habitants, avec presque un huitième dans le territoire, un grand monstre dans l'Union européenne. Sorti. Et bon, qui pique un défi l'Union européenne à confronter mon gars. L'Union européenne, comme tout pays, a confronté une crise économique. Et puis, quelle grande crise a connu cette crise migratoire. La crise migratoire qui est autant pile pays dans le Middle-East a souffert de cette crise, qui a souffert de cette guerre civile. Tout pays, au Pakistan, Afghanistan et la Syrie, pays a souffert de cette guerre civile. Et puis, habitants ont décidé d'entrer en Europe parce qu'il y a bombardé avec soulèvement principalement de l'État islamique, qui tout le monde connaît, qui c'est un faiblesse entre des grands États dans le Middle East, qui c'est ensemble avec la Syrie, et puis entrer ça. Soulever des radicales qui prennent contrôle du pays parce que l'État a fait, on prend contrôle du pays et puis fait des attentats, fait des guerres. Et puis avec ça, avec soulèvement de l'État islamique, l'État islamique pas seulement cité. On va parler des pays qui la Syrie. L'État islamique pas seulement cité en Syrie, en Irak, mais cité dans tout le monde. Dans le cas en Royaume-Uni, il y a l'État islamique. Et tout côté, quoi, en Brésil, il y a l'État islamique. Basé, il y a l'État islamique. Bon, les signes cité de tout côté, ils enchaînent, ils prennent le monde de l'envoi. C'est plus qu'un problème et l'Europe a confronté. C'est le problème de l'immigration qui est causé par l'État islamique. Hein? Et puis, décédé attaque et l'État islamique a fait contre eux. Ils ont des gens qui basent sur religion, qui dépassent sur religion, et qui ont attaqué des pays basés sur croyance, sur religion. C'est sûr que nous avons bien une mission sur l'État islamique. Ouais. N'a bien pour nous faire une émission sur eux, mais est-ce que vous êtes capable de dire que, en tant qu'observateur, chercheur, bon, qui sont passés aux États-Unis et passés de sortir au Royaume-Uni et que dans l'Union européenne, je ne veux dire. Bon, depuis Lenin et Donald Trump entré dans les États-Unis, nous voyons bien dans sa globalisation. Globalisation, les outils de globalisation qui est mondan plus pays,
on a pipiti qui mon classique qui par exemple on a pipiti ça veut dire on vient dans sa globalisation on vient nous réfléchir en forme de nationalisation qui va bien te ouais va bien te ouais en plein deuxième guerre mondiale là côté et le nationalisme tout le monde à côté Hitler à côté du nationalisme et puis Mussolini en Italie et Hitler en Allemagne n'a pas même pas ça nous de quitter avant deuxième guerre mondiale là est-ce que ça si on aussi bien on va comment dire dans ce sujet on va dire dans ce sujet ça on continue dans ce sujet n'a pas dire bon si on comprend on est en dans sa globalisation qui tout pays choisi permet entre eux et qui mon cas ouais qui États-Unis a fait restriction dans le visa et fermer frontière pour des pays et puis c'est même ça c'est pour ça et Royaume-Uni plus facilement que Royaume-Uni a sorti parce que États-Unis qui c'est la grande puissance qui base sur ça et puis Royaume-Uni tout décide tout faire le choix, faire le frontière et puis les Français en font tout qui en France et Marine Le Pen qui c'est futur candidat qui c'est futur peut-être président en France Marine Le Pen premier parler la poser c'est sorti c'est fermer la libre circulation des gens et fermer la libre circulation des gens sur le continent européen. La ferme ça, l'île décide de nous et l'autre région, et puis il ne va plus faire pour tout camper devant de la Cour européenne. Camper devant de la Cour européenne. Ça veut dire, deuxième bagarre de l'affaire, c'est critiquer la nationalité qui menace. Il y a critiquer la nationalité, tout le monde qui est appartenu à ça, et jihadiste, il n'y a pas de jihadiste, c'est mon. C'est mon qui est islamique, qui est religion islamique. Et il y a critiqué nationalité, il y a critiqué nationalité française, ça, pour tout le monde, ça, ça veut dire que la France et puis ça a déporté. Et vous pouvez imaginer, nous, on a fait en France, et puis la nationalité française, parce qu'elle fait partie de telle ou telle religion, qui est bien descendante de telle ou telle religion. Et il y a critiqué nationalité, il n'est pas français encore. Avec dit, c'est des bagages, on a su qu'on y a des pays qui viennent sortir plus fermés, et plus nationaliste avec le soulèvement de l'État islamique et puis la crise migratoire. Et puis bon, c'est ça. Est-ce que nous avons dans la France exit tout? Bon, ça, Frexit là, ça. Frexit là, il est possible pour Marine Le Pen, c'est le premier baguette là. Dans deux premiers mois, sur l'administration, c'est le premier baguette là. C'est il y a sorti dans l'Union européenne, tout. Donc si nous disons la France a sorti dans l'Union européenne, là, et c'est la France qui c'est même parlé de AB de Saint-Pierre, c'est Simon, plutôt Robert Schuman, qui c'est un ministre en France, et même des ministres en France, je vois ce ministre en France, et Robert Schuman, et tout ça a été fait en France. Toute idée ça a l'Union européenne a sorti dans tête. Dans cette France, même que vous considérez Allemagne qui est un pays beaucoup trop militant pour l'Union européenne dans un moment, mais toute idée, c'est Français qui fait. Vous comprenez? Si on a l'approche aussi, on a espéré. Est-ce qu'il n'y a espéré? On a pas d'exit tout. Bon, est-ce qu'on va parler nous, parce que normalement que nous dans l'Union européenne, ça va empêcher nous que nous, en parenthèse, en relation. États-Unis avec l'Angleterre, parce que comme si on était de considérer l'Angleterre comme une province États-Unis, est-ce que réellement l'opinion est partagée? Donc, en pile français, toujours parler d'Angleterre qui est un État américain, parce qu'il y a toujours suivi, même politique là. Et des vidéos, toujours partager des vidéos. Et sinon, bombardement de
pays ça yo, toute politique yo, tout d'après yo, presque toujours même gens. C'est pour ça qu'il n'était pas tellement considéré Angleterre sur le continent européen, parce qu'il n'est pas pratiquement tellement considéré. C'est pour ça que depuis en 1972, ou après, donc depuis la rentrée dans l'Union européenne, Angleterre, nous toujours voyons pas, il n'est pas tellement, il n'y a pas une action vive dans l'Union européenne, il n'est pas fait, c'est un monde qui a part dans l'Union européenne, pour lui, ça pas politique, lui, ça pas valide, c'est pour ça que ce titre, parce qu'il n'y a pas, après le traité de Schengen, il n'y a pas de signal, il n'y a rien pour bizarre, il pour lui, même ça c'est UK, ça c'est européen. Qui ont différencié, qui ont quand même pas caché, on s'en fait, et qui ont géographiquement, nous connaissons, séparés par mer, ça veut dire qu'ils sont considérés qui ont une île, qui pas considérés des Union européenne. Donc, il y a un peu d'observateur considéré, et Angleterre, ou bien, pas parler d'Angleterre, on parle de Royaume-Uni, comme un état, c'est parce que pratiquement, c'est le 53e état des États-Unis. Oui, peut-être, il est capable ça. À Guinée, quoi. Oui, et puis on y a bon. On a parlé d'immigration, il n'y a pas d'immigration dans les États-Unis. Et bien qu'il ne pourra pas venir ça de façon plus violente. Et puis l'immigration, c'est ça qui a attaqué avec une certaine rigueur. Il n'y a pas de cas. Basé accès sur l'immigration, en pile d'immigrants en Angleterre. Il n'y a pas accès sur ça en pile. Bon, pour nous, nous allons passer beaucoup d'Haïti, est-ce qu'on va parler de nous? Et parce que je dis à vous en Angleterre, mais quand même, vous êtes haïtiens quand même, bon, qu'avez-vous étudié l'autre bord? Bon. Et premièrement, est-ce que il y a un pile haïtien qui est en Angleterre? Que bon, et est-ce que vous rencontrez un pile haïtien? Et deuxièmement, qui est en coopération? Et Haïtiano et André Dalaï. Bon, et en plus, Haïti, c'est là, il y a une communauté haïtienne qui est de, moi, si on appelle, qui est de United Haitian, non, ma part, je ne sais comment elle dit, mais en fait, United Haitian in the UK, United Haitian in the UK. Si on a visité ou senti un sel, ou par exemple avec Monsaro qui est mis sur l'autre, le cas est parti de ces projets, le cas est d'Haïti dans un point tel que un point éducatif, et puis quelque part, un point éducatif, et puis c'est ça, c'est un point éducatif, on est sur cette vidéo, oui, c'est ça. Et puis, la communauté n'a pas tellement grand, bon, l'homme. Avant, et c'est ça qui m'était passé pour moi, c'est mon balai dans l'ambassade, dans des conversations, ça m'a fait ambassadeur, et puis les passés, c'est à dire mon communauté, etc. Et ça, supposément, il y a des moments où on peut aller ici, on peut pas jeune, malheureusement. Et bon, et coopération, qui ça qui fait ça? Bon, nous avons des relations entre Grande-Bretagne. Et Haïti, pas trop longtemps, mais par contre, ça a existé très bien quelque temps. Bon, selon déclaration, ancien ambassadeur britannique en Haïti, Stephen Fisher, monsieur dit que la relation entre en Haïti ensemble avec Grande-Bretagne, ça. Ça a été campé, ça a commencé depuis 1833. Ça veut dire bon quelque temps ça a commencé. Il fermé en 1966. Il fermé en 1966. Mais par contre, on regarde qui période d'état de guerre en 1966, qui est en période de despotisme, qui est l'Union européenne Royaume-Uni qui sont pays qui basent sur la démocratie. Donc, il y a des cas qu'on possible sortir en relation avec ma Haïti pour raison ça. Même pas sûr que c'est raison ça. On pense, ça c'est opinion, pas penser que ça c'est raison qui fait sortir en 1966 en relation avec ma Haïti. Bon, relation à l'énergie encore en 2011, après le tremblement de terre, après l'Angleterre a décidé de faire aide à Haïti. Et un tremblement de terre là.
yo deside pe yon retou e apre vizit yo yo wèk mwa iti ap soufou yo deside pe yon retou pyo kaye d'Haïti nan certain sens. E pi an jen 2011 yo pose le pyo ka komanse prosesus la pyo ka e yon antre nan relasyon diplomatik nan sa mapè Haïti. Mais en juin 2013, et puis en juin 2013, process a abouti, puis on a commencé, relations diplomatiques a commencé en Haïti, entre nous et Haïti. En juin 2013, puis on s'est parlé ensemble avec Canada et à Port-au-Prince. Mais qui ne fait pas de l'Haïti, c'est ça, c'est un grand problème, parce qu'on n'a pas de bonnes relations, on n'a pas tellement bien connu. Et comment y aller en Angleterre, un pays si loin, séparé de tout le continent, séparé de l'Europe, séparé de loin de nous. Et les gens qui sont en Angleterre, là, ça arrive, on regard en Angleterre par parents, par exemple, par les Anglais qui sont en Haïti, les décédés font petit et puis rentrer, ou bien français, ou bien un parent haïtien qui est en France, ils décident, ou bien moi, ils m'avaient un Anglais. Il a décidé de rentrer en Angleterre ou bien comme il y a un passeport européen, il a décidé de rentrer en Angleterre. Mais ça c'est une statue mondiale. Mais est-ce que nous avons une représentation diplomatique en Angleterre? Oui, nous avons une représentation diplomatique en Angleterre représentée par Edson Rocher, qui est ambassadeur en Haïti en Angleterre, qui est on forme des étudiants qui sont étudiants qui étaient dans Oxford. Et d'après lui, il était étudiant dans Oxford, mais il formait dans Oxford University. Il recevait un scholarship, il était étudiant d'Oxford. Et après, il est devenu ambassadeur en Haïti et d'Haïti à Londres. Mais est-ce que vous commencez à rencontrer, vous parlez d'une association haïtienne qui est en Angleterre, est-ce que vous commencez à rencontrer des membres de l'association? Par contre, nous seulement visiter ce site-là, mais comme nous vivons tellement de chats à fouetter, quoi. Nous avons eu un temps de mal, mais nous avons possible de faire qu'un ambassadeur dit que nous avons fait et comme nous avons fait, à partir d'aller dans le fait, à partir de la croix, nous avons l'agenda dans l'armée qui va décider d'aller mal faire connaissance avec mon Dieu. Mais pour qu'on y a, c'est celle. C'est celle loi d'étranger va rencontrer plus jamaïcains, vous connaissez le pays Commonwealth. Et c'est plus jamaïcain et puis anglais, c'est mon savoir plus simple. Bon, en tout cas, je crois que nous faisons une très bonne émission avec vous, non seulement sur la communauté européenne, ouais. Et que vous nous parlez de toutes les relations que nous avons depuis l'année 1800. Et avec l'Angleterre ou le Royaume-Uni, quelques grandes communautés haïtiennes quand même tout, qui est en Angleterre, même les que nous n'avons pas élevé, mais communautés là, au niveau diplomatique que nous représentons, et Radio Télé-Sidari qui est en représentant en Angleterre tout, à la personne de M. Alain Daniel, qui est réellement que nous pensons que vraiment qu'on a bougé et dans la bonne direction, quoi. Parce que réellement. Oui, ça c'est très bien. Et puis, si on a besoin d'informations, on a besoin d'une source pour qu'elle vérifie l'information. Pour qu'elle vérifie sur Europa.eu, qui c'est Europa.eu, et qui c'est l'Union européenne. Si on a besoin de visiter, ou bien on a même prendre des informations sur l'Union européenne. Et que, M. Daniel, le dernier mot? Bon, c'était un plaisir pour nous qu'on a discuté sur grand sujet ça, sujet européen, sujet d'actualité. On pensait que nous espérons que nous avons apprécié et puis quitter commentaire pour nous améliorer plus et puis dire que si j'ai pour nous discuter, pour nous discuter. Il va que M. Daniel, que Napton, vous merci bon, pour l'émission ça. Bon. Je vais voir que peut-être que j'ai fort que. Télé-solidarité a fait, je ne le dis à côté que nous, un peu partout, bon, sur la planète-là, bon, avec des Haïtiens en Angleterre, en la personne de M. Daniel, avec Daniel, que nous en Italie, tout, je ne le dis à que nous en Turquie, nous faisons en Turquie, et que nous en République Dominicaine, nous au Mexique,
nous au Brésil, que nous en Haïti, à travers la radio Télé Soleil, que nous au Japon, que nous au Canada, que nous aux États-Unis, que réellement, parce que vraiment, que radio Télé Soleil a fait des pas de géant, et surtout avec des émissions vraiment qui vont aider les gens à comprendre un peu plus ce qui va passer. Et dans l'actualité internationale, dans la santé, et du témoin au niveau de la santé, et bon, au niveau de l'histoire avec monsieur Van Voltaire, que l'histoire d'Haïti, il veut que réellement, que bon, et que au niveau de spiritualité même, bon, que c'est chaque semaine que nous recherchons des homélies mensuelles sur Sarik, ou bien des émissions de Bible, etc. Il veut que réellement, que nous pensons que vraiment, que nous pas vraiment qu'à faire, que nous demandons téléspectateurs de tout, pour supporter le travail ça, parce que sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas rien, mais on va casser côté dans le cabaret. Je vais encore une fois, monsieur Daniel, un grand merci, et une bonne soirée, parce que nous voyons que pour y aller, que faut plus que 5h ou 6h en Angleterre. Oui, 5h25. 5h25 en Angleterre. Encore une fois, un grand merci et à la prochaine. À la prochaine, je vous en prie, monsieur, et bon bientôt. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Bye bye, à la prochaine. Moi, battez jamais visage pour te quitter. Pays à moi, pas qu'un bim n'en qu'ay un jour à comprendre. Gardez le rété, ou mettez voile, ou à poilé, cringouave. Mode soufflé, ça fait gâter, ou à l'échoué pestel. Oui, c'est qu'on sent mauvais tampon, mais n'aime pas ici. Non, promener, chercher la vie, jambé 13 frontières. Ma bébé, t'en voyons, oui, bien. Moi, sans pays, tant pour palestinien. Mais c'est pas là, les rappelés font tourner. Virez-vous, tournez, c'est mon homme là. Virez-vous, tournez, c'est mon Passez Nassau, Al Saint-Domingue, rebondit Kingston. Rivez Saint-Croix, passez Toronto, atterri New York. Et dimanche, moi travaille mal, yo manque de gars. Yo fait ma vie, l'aime prier autant, yo dim alchimère. Ma bébé, t'en connais, oui bien. Moi sans pays, tant pour palestinien. Mais c'est bon, non, les barbés font tourner. Virez-vous, tournez, c'est mon doublage. Virez-vous, tournez, c'est mon Yahweh. Garde ma cour, bourgeois votre mère, blâme un Yankee. Yok fait complot, yok manigancé, yok mettez-moi là.
Mese Boukman de Sali Nak Chalmay Pelal Te bom leson Montre mon remède Oh sans arrêt Ma périvé Tant que yon mwe bien Mwe san pit Tant que palestinien Et cependant, les rappeler, faut tourner, vivre, tourner, c'est mon hommage, vivre, tourner, c'est mon yawan, tout ça, pas bien, la rangée colle, tout ça, coton, moins la chimère, tout ça, pas bien, la rangée colle. Tout ça, tout ça,